Karine et Claude, bonjour. Vous êtes les co-présidents du festival de Moutier sous Chantemerle 2008. Alors parlez-moi un petit peu de l'organisation de cette année. Donc ben, l'organisation de cette année, c'est 800 bénévoles donc, pour les 3 jours du festival. Et ben, pour parvenir à mettre en place toute cette logistique, on a commencé il y a plus d'une semaine à tout installer, les barrières, les stands, l'électricité, enfin tout ce qu'il y a à installer. Parce que quand on vient, si vous venez sur les Moutiers dans 3 semaines, ben, vous verrez des champs. Donc là, c'est vrai qu'on voit une scène, un site fermé. On a installé plus d'un kilomètre de barrières de chantier. Donc c'est toute une logistique qu'il faut préparer à l'avance, et on a commencé à y travailler depuis le mois de septembre. Donc vous êtes tous les deux les programmateurs du festival ? Non. Déjà. Non, Laurent est programmateur et moi je m'occupe de la trésorerie. Je suis trésorier. Donc c'est lui qui prend les contacts et c'est toi qui dis oui. Ouais, en quelque sorte. C'est-à-dire que on commence par l'Assemblée Générale. On fait le bilan de l'année, mais le bilan annuel, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte que les festivités, c'est toutes les manifestations qu'on a à côté. Il y a 2 autres soirées dispo qu'on organise en année. Donc là, du coup, à l'Assemblée Générale, je fais le bilan financier et après, ça permet aussi, par rapport au bilan festivité, du coup, de faire un prévisionnel pour l'année qui suit. Quoi. Et donc, on est répartis par poste et je leur dis la commission, enfin la partie programmation, je leur dis cette année vous avez un budget de temps pour la partie groupe. Pour la location du matériel, ils ont un budget de temps, la publicité également, enfin tout réparti sur différents postes. Donc après, moi si je leur dis ils ont un budget de 200 000 euros par exemple, eh bien c'est à eux de faire leur programmation et de scaler la fin. Cette année on est dans cet ordre-là ? On est plus cher, on est à 250. Voilà, Charlie, chanteuse. Donc ce soir, je suis là pour accompagner Imos sur scène avec le duo Je Recherche. Donc voilà, belle scène, bon public, et puis on est très content d'être là. Donc ce soir avec Calo, alors c'est une première fois pour vous, non ? Tout à fait, ouais, la soirée du jour routier au festivités, donc super festival. Et avec Calo Giro qui vous aide, donc grand moment. Là, il est en train de jouer, on vient de terminer, je vais aller regarder ce que j'adore. Donc super content d'être là. Et demain, il y a une belle affiche aussi, j'ai vu qu'il y avait des portiques que j'aime beaucoup. Et donc, j'incite tout le monde.
monde à participer à ce festival, c'est vraiment bien. Depuis maintenant à peu près 15 ans. 15 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en acoustique aujourd'hui ? Eh, alors voilà, voilà une bonne question. Alors, c'était un changement qui était pour nous très important parce que ouais, il y a 15 ans, ça fait long et donc on tourne un petit peu en rond. D'un moment, en tout cas, on a un petit peu tendance à avoir des automatismes qui vous donnent l'impression d'aller un petit peu au bureau des fois quand on va au local de répète. Et donc on s'est dit qu'on allait ouvrir un petit peu la fenêtre et s'autoriser à faire autre chose à moindre frais puisque on était sur la base d'un répertoire qu'on connaît puisque c'est des reprises essentiellement de notre répertoire en électrique. On s'est attaché à mettre en version acoustique, donc à transformer plutôt en rock, chanson, swing, enfin de leur donner une autre âme et puis de nous placer différemment par rapport à la scène puisqu'on est un petit peu plus, on est plus assis déjà par rapport à notre instrument parce qu'on chante pas de la même façon l'acoustique qu'en électrique et c'est vrai pour les guitares comme pour les cuivres et puis donc par rapport aux chansons où les arrangements sont différents. Voilà, ça nous a permis de nous offrir une deuxième jeunesse et donc de retrouver un nouvel élan. Alors c'est pas qu'on était retraité, hein, parce qu'on est quand même pas bien vieux, même si on a 15 ans de musique, on n'avait jamais que 35 ans, mais voilà, c'est agréable, en tout cas, c'est important voilà, de se remettre un petit peu en danger. Vous l'avez déjà testé un petit peu en festival, cette formule en acoustique, les échos du public tout. Non, pas du tout, c'est une première fois. Ben oui, c'est en général, c'est...
c'est vrai que c'est une formule qui est plus propice à être développée sur des scènes intimistes, hein. C'est pour du Cafrance en général. On a déjà joué dans des zéniths, dans ces formules-là, ou dans des salles assez conséquentes. C'est pas l'idéal, il faut être honnête. Maintenant, on tourne les choses depuis septembre, donc on a beaucoup plus d'assurance. Il faut pas tomber dans le jeu d'être trop intimiste justement sur ce type de scène où on a beaucoup il y a beaucoup d'espace face à nous, la scène est très grande, donc il faut chanter un petit peu plus extérieur et moins être. Ça va être un petit peu, je ne dirais pas que je suis inquiet, mais ça va être un petit peu plus difficile à appréhender. Maintenant, il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est plutôt sympathique de faire de la musique et que c'est quand même en général des bons moments qu'on passe, donc voir les choses de façon assez simple et ça devrait bien se passer. Et le public vous attend quand même, si vous avez basé tout ça sur un répertoire déjà un peu existant, Oui, bien sûr, on ne part pas dans l'inconnu. Là, il faut, si les gens sont parfums, ils le sont maintenant, parce que ça fait un an qu'on tourne cette histoire. Ils nous accorderont pour les plus durs l'excuse du nouveau, et puis pour les autres, je crois qu'ils nous suivront. Mais le fait de jouer acoustique pour nous, ça ne veut pas dire de jouer en se regardant les pieds, ça veut pas dire de. Ça continue de déterminer un envoi. Voilà. D'ailleurs, parce qu'on ne saurait pas faire, on n'est pas assez technicien pour ambiancer comme ça. Donc on a besoin d'aller vers le public, donc ça reste quand même dans cet échange. À nous de voir ce que ça peut donner à cette échelle. Vous étiez déjà venu au Moutier il y a 4 ans, vous en souveniez ou... Oui, bien sûr. C'était un petit festival qui vous a laissé une bonne impression. C'était pas un petit festival, non. Non, il y avait, je me souviens qu'il y avait Cox, je crois, et puis Paul Jacques. C'était sur l'autre côté du stade. Voilà. Il y a Crêpe au Sucre aussi. Oui, Crêpe au Sucre. Un nom qu'on n'oublie pas. c'était pas un petit festival, je sais pas combien il y avait, enfin j'ai le sentiment qu'il y avait du monde. Je me souviens bien de ce concert parce que c'est le premier. J'avais acheté une guitare la veille. Une guitare sèche que j'ai abandonnée 6 mois plus tard. Vous l'avez pas ressenti pour le projet? Non, je suis pas très bon musicien, paradoxalement, parce que c'est censé être un peu mon métier. Ouais, voilà, c'est plutôt le micro, voilà, qui ne va pas bien. Mais j'essaye quand même, je me bats. Voilà. C'était pour l'anecdote, mais en tout cas, on est ravis, c'est un grand honneur. C'est un beau jouet, quoi. C'est un beau jouet quand on fait de la musique et qu'on peut être sur des scènes de cet ordre, avec du monde comme ça, dans une configuration. Oui, vas-y.
Vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Festivité, festivité, festivité.